Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 7 février 2021, 15h59 heure, du Québec. Vous le voyez, vous le sentez, vous le savez, on s'en va vers une nouvelle économie, vers un nouveau monde qui sera alimenté par, surtout au niveau du transport, des batteries. La batterie, nous dit le Wall Street Journal, est prête à alimenter le monde après une décennie de baisse rapide des coûts. La batterie lithium-ion rechargeable est sur le point de perturber. Les industries, nous raconte Wall Street Journal. Les batteries en hein, lithium-ion rechargeables ont été utilisées pour la première fois dans le commerce dans les caméscopes portables en 1991. Les ordinateurs portables ont rapidement suivi. Une décennie plus tard, les batteries ont permis la montée en puissance de titans de la technologie telle qu'Apple. En alimentant les smartphones et les appareils portables, puis on fait leur chemin dans les véhicules électriques, la technologie de base est restée à peu près la même, les ions lithium se déplaçant à travers un liquide de la cathode à l'anode et inversement, ce n'était cependant que le début. Après une décennie de baisse rapide des coûts, la batterie a atteint un point de basculement, non plus uniquement pour les euh, produits de consommation, il est sur le point de transformer la façon dont le monde utilise. L'énergie. Dans le secteur de l'énergie, les batteries abordables permettent aux entreprises de stocker de l'électricité et de récolter de l'énergie renouvelable. Dans l'industrie automobile, ils sont prêts à défier la domination centenaire du moteur à essence. Les coûts ont baissé si loin et si rapidement que la plupart des constructeurs automobiles s'attendent à ce que les véhicules électriques, qui sont actuellement plus chers que leurs homologues à essence, coûteront le même montant à construire dans les cinq prochaines années. Les gains devraient se poursuivre. Les véhicules électriques sont actuellement la principale source de demande de cellules de batterie. À mesure que la demande augmente et que les coûts baissent encore, les batteries deviendront encore plus perturbatrices dans tous les secteurs. Batteries a récemment remporté une victoire chez General Motors qui a déclaré qu'elle espérait éliminer progressivement les véhicules à essence et diesel des salles d'exposition dans le monde entier d'ici 2035. Le boom des batteries pourrait éroder la demande de pétrole brut et des sous-produits comme l'essence ainsi que de gaz naturel qui est principalement utilisé dans les centrales électriques, alors que les matériaux miniers et la fabrication de batteries produisent certaines émissions de gaz à effet de serre. Les analystes estiment que le passage aux batteries dans, le sec dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie réduirait les émissions dans l'ensemble, stimulant les efforts de lutte contre le changement climatique. Les centrales électriques américaines produisent à elles seules Environ un quart des émissions du pays, tandis que les véhicules légers, tels que les voitures et les fourgonnettes, contribuent pour 17 supplémentaires. La montée en puissance des batteries rechargeables est désormais une question de sécurité nationale et de politique industrielle. Le contrôle des minéraux et des processus de fabrication nécessaires pour fabriquer des batteries lithium-ion est la version du 21e siècle de la sécurité pétrolière. Le flux de batteries est actuellement dominé par les pays et les entreprises asiatiques. Près de 65 des batteries lithium-ion proviennent, et eh oui, vous l'aurez deviné, de Chine en comparaison. Aucun pays ne produit plus de 20, plus de, 20 de la production mondiale de pétrole brut, imaginez-vous. Les entreprises travaillent sur de nouvelles configurations, telles que les batteries à semi-conducteurs qui ne transfèrent pas les ions à travers les liquides, qui pourraient considérablement améliorer la puissance et réduire encore davantage les prix des batteries. La valeur d'une telle percée pourrait être mesurée en milliards de dollars, voire en milliers de de milliards. Il y a encore énormément d'innovations à venir, déclare Christina Lamp on Neuro, directrice générale de la start-up de batterie CamDesa Innovation, basée dans le Connecticut pendant les heures de pointe pour réduire les coûts. Je vous avais parlé l'autre jour d'une start-up aussi qui pense avoir mis la main sur une technologie qui pourrait faire en sorte que qu'on aura des batteries rechargeables en cinq minutes. Donc, on s'en va vraiment vers un nouveau monde. Je vous laisserai tout l'article dans la boîte de description pour aller lire ça, c'est fascinant. C'est le Wall Street Journal qui nous rapporte ça. La batterie est prête à alimenter le monde.